Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nouveau vlog. Ce vlog est très spécial car vous allez me suivre tout le long de mon trajet en route vers le Maroc. Alors, je commence par finaliser tous mes achats pour la famille, vous savez. On met le plein en essence, on lave bien la voiture pour se sentir bien dans un endroit très propre car je vais passer quand même plus de 24 heures dans la voiture. On laisse monsieur charger la voiture. Pendant ce temps, moi, je fais un café pour nous réveiller pendant le trajet. À 10h, enfin, le premier péage. C'était vraiment très, très, très fatigant. Mais bon, on tient la route. La route, la nuit, je trouve qu'elle est 100 fois mieux que le matin. Parce que la nuit, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas de bouchons. Enfin, après, c'est mon avis. À 5h30, enfin le jour, on prend un petit déjeuner très rapide, puis on reprend la route. À 8h, enfin en Espagne. L'Espagne, c'est la pire étape parce qu'il y a beaucoup de virages, les montagnes, ça fait tellement peur. En plus, la chaleur, vraiment, ça déconcentre. Mais bon, on tient la route. On refait le plein, plus que 8 heures de route, et oui, on laisse la voiture se reposer avec nous. On reprend la route, plus que 1 heure avant l'hôtel. Bon, à 22 heures, on est arrivé un peu en retard. Bref, l'hôtel est vraiment magnifique, une petite cuisine, très jolie. On arrive réservé sur Airbnb. Vraiment, je vous conseille vraiment, si vous faites des trajets longs, de prendre un hôtel pour la nuit car c'est fatigant. Je vous mets le lien de la maison si vous voulez au cas où. Voilà, une petite chambre très sympathique. De toute façon, on passe une journée. Et pour les prix, bah, j'ai payé 100 euros, je pense, la nuit. Ça va, c'est pas très cher. En plus, c'était situé c'était à Tarragona. C'était vraiment situé dans un petit bon endroit. Le jour, c'est vraiment 100 fois mieux que la nuit, par contre. Le petit balcon, très mignon, très sympathique. Et on reprend la route pour le Maroc. Alors, on a raté une sortie, mais vraiment, on a la poisse, car y avait vraiment les bouchons. On a dû rester 30 minutes dans la ville, alors que s'il n'y aurait pas les bouchons, on serait sorti en 10 minutes. Bon, ne serait-ce, les paysages étaient vraiment magnifiques. Et voilà, on reprend enfin la route sur notre chemin pour Alicante. Bientôt arrivé, quand vous voyez ces tunnels, c'est que vous êtes bientôt arrivé. Alors on prend une petite pause. On reprend des forces. La voiture aussi. On prend les billets dans cette station de service. C'était vraiment pas cher cette année, je trouve. Les filles, si vous prenez la route, vraiment, je vous conseille de tout faire maison. Enfin, pas tout, mais il y a des choses qu'il faut faire maison. Car les aires de repos, c'est vraiment, vraiment de l'arnaque. C'est tellement cher. Dernière station avant le bateau. Car oui, on est bientôt arrivé. Plus qu'une heure de route. Enfin arrivé. C'était vraiment très, très long. Bon, le bateau, il n'était pas très rempli. D'habitude, tous les ans, il est rempli. Les bouchons, etc. Mais cette année, c'était vraiment fluide, quoi. Voilà, on se repose 10 minutes avant de faire les papiers. Et voilà, enfin sur le sol marocain. Vraiment, on sent une odeur chaleureuse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout de vous abonner. N'hésitez pas à une cloche de notification car nous allons mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de vlogs. Parce que vraiment, les vacances au Maroc vont s'avérer très pigmentées. Bref, salut, à la prochaine.